Allez, bonjour à la petite communauté. Ben voilà, ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, ben ils voyaient que je faisais les travaux dans le garage. Ben voilà, le garage est quasi terminé. Bon, si vous entendez un peu de bruit de fond, c'est normal, je suis à l'extérieur. Ben si vous voyez, regardez, tout a été dallé. J'ai tout fini. J'ai ma deuxième petite voiture qui est dedans. J'ai le petit Ludix, bah, vous reconnaîtrez, c'est celui qui est en démonstration. À part que celui-ci, bah, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, le moteur avec le kit top performance, bah, le voilà. Il est placé, il est monté. Je suis sur un prototype origine avec le kit, ça envoie du tonnerre. Ça accélère, mais quelque chose de monstrueux, franchement, je suis étonné. Pour ceux qui veulent une petite prépa, franchement, c'est un top performance. Un petit carbide 17,5 et un pot Poligny que j'avais déjà fait des essais. Enfin, que j'avais monté, j'avais jamais fait d'essais. Mais voilà le Ludix. C'est toujours le même, à part que j'ai mis un peu de carbone, j'ai bah, j'ai modifié un petit peu tout le système de poignée, une YZF. Voilà. Et voilà le moteur avec le cylindre top performance que j'avais placé. Ainsi, ceux qui regardaient la vidéo, bah, ils verront bien. Et j'ai toujours mon YZF qui est toujours là, qui est bien au chaud, qui fonctionne toujours. Voilà, ainsi vous allez l'écouter. Voyez, elle démarre toujours. Et ma petite voiture, ma deuxième petite voiture, une petite C1, qui est dans le garage maintenant. Je sais pas si vous voyez, le garage est quasi terminé. Bon, maintenant il me reste plus que le plafond, l'isolant, ben, c'est des babioles. Mais maintenant, c'est plus un tas de béton. Tout a été dallé, tout est prêt. Ah, il reste encore quelques babioles. J'ai placé tout le système de courant. Voilà. En même temps, j'ai aussi tout ce qui est lampe extérieure. Et en même temps, je vais vous montrer le bâtiment. Voilà, lampe extérieure. Et maintenant, la maison terminée. Voilà. Pour ceux qui ont vu les vidéos, ben voilà. Le bâtiment est terminé, extérieurement, intérieurement aussi. Il me reste quelques babioles et maintenant, il ne me restera plus que la salle de bain. Ainsi vous savez, mais les vidéos vont bientôt reprendre. Ici j'ai déjà quelques petites vidéos de fait. Et vous verrez la suite des vidéos. Allez, suite à la prochaine.